Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo critique de The Walking Dead saison 10, épisode 10. Voilà, donc je tiens à vous présenter mes excuses pour l'absence de critique pour en ce qui concerne l'épisode 9. Je n'ai pas eu le temps de faire la critique. Et franchement, bon, quand on voit l'épisode qu'on a eu, c'est un épisode quand même vraiment, vraiment pas terrible. Donc, est-ce qu'on a eu du mieux avec cet épisode 10? Je vous propose d'en discuter tout de suite. C'est parti, go! Jamento.com. Encore une fois, malheureusement, ce n'était pas un épisode. C'était un épisode assez maladroit. Mais c'est ce que je dis, c'est ce que je disais dans certaines de mes précédentes vidéos. J'arrive encore maintenant à être étonné par certains choix scénaristiques, artistiques. Alors, on a un épisode qui se déroule, c'est un épisode qui se divise en trois segments. C'est-à-dire, on a le segment Alexandria avec la communauté d'Alexandria. On a le segment Daryl contre Alpha. Et on a le segment avec l'arrivée de Beta au sein d'Alexandria. Alors, pour commencer, on va prendre le premier segment, la communauté d'Alexandria, avec Gamma qui se livre à la communauté. Bon, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Bon, de toute façon, c'est quelque chose, on s'en doutait, on savait que ça allait arriver, puisque Gamma avait noué plus ou moins des liens avec Aaron. Voilà, donc on se doutait forcément que tôt ou tard, Gamma allait retourner sa veste et changer de camp. Alors bon, moi, ce qui m'a gêné un peu, alors j'ai bien aimé Gabriel qui s'auto-proclame un peu serviteur de Dieu, voilà, en disant qu'il a discuté avec Dieu. C'est encore les répliques un peu du père Gabriel qui sont encore un peu marquantes. Bon, là, c'était pas trop mal, franchement, c'était bien mené, la manière dont il interroge Gamma, la manière dont il pousse Gamma à se confier, parce qu'il sent qu'elle n'est pas complètement honnête, il sent qu'elle cache quelque chose, et il la pousse un peu dans ses retranchements jusqu'à ce qu'elle se confesse entièrement et qu'elle avoue en fait qu'elle a tué sa sœur. Voilà, donc ça, c'était plutôt sympa. Bon, après, là où j'ai moins accroché, c'est quand même quand ils se réunissent dans la salle du conseil, et là que le père Gabriel part complètement en vrille en disant qu'il faut s'attaquer aux chuchoteurs, qu'il faut les capturer, qu'il faut leur arracher les dents, les doigts, la langue pour obtenir des informations. Là, je me suis dit, mais le mec, il part dans un délire complètement tordu. Voilà. Mais sinon, cette première partie avec avec l'arrivée de Gamma et tout, bon, ça va, c'était sympa. Alors, bon, moi, le truc qui m'a un peu gêné, c'est quand Rosita, par contre, discute avec le père Gabriel, voilà. C'est Striandle complètement sidique, Eugène, Gabriel, qui a été complètement torché. Parce que bon, on voit quand même que Rosita embrasse Gabriel. Donc là, je comprends plus, puisque bon, elle a perdu quand même Sidik, qui officiellement était son mec. Là, je comprends plus rien. Bon, visiblement, il semble qu'elle se remette avec Gabriel. Ils ont complètement foiré le triangle amoureux. Il y a un petit truc qui m'a gêné, c'est quand Rosita dit à Gabriel qu'elle a perdu Sidik depuis 2 jours. Alors moi, sur le coup, j'ai trouvé ça quand même vachement court. Je me suis dit, c'est pas possible, Sidik n'est pas mort depuis 2 jours. Et c'est vrai que les problèmes de timeline dans The Walking Dead, c'est quelque chose d'assez compliqué, parce que bon, comme on a des cycles jour-nuit, bon, j'ai regardé sur un site qui retranscrit la timeline de la série, j'ai re-regardé vite fait les épisodes
à partir de la mort de Sidik, j'ai compté approximativement 5 jours. Voilà, qui s'était déroulé 5 jours entre la mort de Sidik et l'épisode 10. J'ai bien aimé la discussion entre Judith et Gamma, qui fait écho justement à la discussion entre Judith et Negan, leur toute première rencontre. Voilà. Alors c'est vrai qu'on est en droit quand même de se dire que Judith, pour son âge, elle est quand même vachement précoce. Allez, voilà. Mais bon, je trouve quand même que dans la plupart des épisodes, elle est traitée comme une enfant. Voilà, il y a eu des scènes dans les épisodes précédents où on la voyait jouer avec Argie et tout. Donc ça reste équilibré, on va dire. Voilà, donc personnellement, ça m'a pas plus gêné que ça. Ça m'a pas plus dérangé que ça. Voilà, parce qu'on sait que Judith, c'est un peu le portrait de son père. C'est-à-dire, elle essaye de voir le bien en chacun des personnages, on va dire, antagonistes. Voilà, c'est pas comme... j'ai envie de dire qu'elle est vraiment à l'opposé de Michonne. Et pourtant, elle a été élevée par Michonne. Michonne, c'est vrai que c'est quelqu'un c'est un personnage qui est vachement méfiant, qui accorde difficilement sa confiance. Alors que Judith, c'est vraiment le portrait de Rick. C'est-à-dire, elle fait facilement confiance aux gens. Voilà, et... moi avec Judith, c'est vraiment un personnage que je trouve choupinou comme tout. Elle est vachement attachante. Bon, après la discussion avec Gamma, bon, j'ai trouvé ça intéressant. Et puis le fait que ça fasse un peu écho avec la rencontre entre Judith et Negan, bon, j'ai trouvé ça sympa. Ensuite, en ce qui concerne le segment, on va dire, Alpha contre Daryl, bon, c'était plutôt... c'était pas oufissime, mais ça reste correct. Alors, à savoir que pas mal de personnes ont dit sur les forums, sur les réseaux sociaux, que Daryl aurait pu avoir 50 fois l'occasion de buter Alpha. Oui, ça je suis entièrement d'accord, mais bon, si on suit les comics, vous voyez où je veux en venir. Ce n'était pas l'objectif. L'objectif, c'était d'avoir une confrontation sans que ça débouche sur la mort d'Alpha par l'intermédiaire de Daryl. Voilà. Après, ce que j'ai bien aimé, c'est le fait que Daryl soit blessé à l'œil et qu'il soit plus ou moins handicapé. Et que forcément, sa confrontation avec Alpha ne lui prête pas, on va dire, avantage. Ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Voilà. Ensuite, ce que je regrette, c'est que donc Daryl se rend dans une espèce d'entrepôt complètement désaffecté. Voilà. Alpha le suit. Et en fait, on a deux personnages dans une seule et même unité de lieu, c'est-à-dire cet entrepôt désaffecté. Voilà. Et ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'à aucun moment, les deux personnages ne discutent. Alors qu'on aurait pu avoir des scènes de dialogue entre Daryl et Alpha, on aurait pu avoir de très bonnes scènes de dialogue. Voilà. Mais à aucun moment, les deux personnages ne discutent, hormis à la fin. Voilà, juste à la fin, avant que Lydia débarque. Mais sinon, pendant tout le temps où Daryl se trouve dans l'entrepôt avec Alpha, les deux personnages sont... Ce qui est intéressant, c'est que les deux personnages sont dans l'entrepôt, ils ne se voient pas, voilà, mais ils s'entendent, ils peuvent s'entendre, mais à aucun moment ils ne communiquent. Et c'est ce que je trouve dommage, parce que si les scénaristes avaient pensé à glisser des lignes de dialogue entre Daryl et Alpha, ça aurait pu amener un plus vraiment intéressant. Bon, ce que je regrette moi dans ce segment, dans l'entrepôt, c'est l'arrivée de Lydia. L'arrivée de Lydia qui en fait ne sert strictement à rien. Alors, ça n'enlève rien à l'intrigue, mais le truc, c'est que ça n'apporte strictement rien à l'intrigue. Puisqu'après, Daryl demande à Lydia si elle a tué sa mère, et Lydia répond à Daryl, non, est-ce que toi tu aurais pu tuer ton père? Voilà. Alors bon, j'ai trouvé la réponse pas trop...
C'est-à-dire quand on connaît le passif de Daryl, les problèmes qu'il a eu avec, avec son père qui était alcoolique, son frère qui était complètement glinglin, on se dit, est-ce que quelque part, est-ce que Daryl n'aurait-il pu ne pas tuer... est-ce que Daryl aurait-il pu tuer son père? Bah peut-être, on n'en sait rien. Que c'est vrai que cette question de Lydia était soulève entre guillemets, ça soulève quand même des questions en ce qui concerne Daryl et la relation entre Daryl et son père. Voilà. Mais en tout cas, la présence de Lydia, surtout à la fin de cet épisode, mais elle ne sert strictement à rien. On sent que, en ce qui concerne Alpha, on sent que la fin est proche. Voilà, elle est quand même... Alors apparemment, elle est quand même sacrément blessée. Hein. L'épisode se termine où elle divague complètement. Elle chantonne une espèce de chanson en disant qu'ils sont la fin du monde et tout ça. Mais bon, on sent que la fin de Alpha arrive. Alors pour ceux qui ont lu les comics, voilà, pour ceux qui n'ont pas lu les comics, je ne vous spoile pas. En ce qui me concerne personnellement, j'ai ma petite théorie. Et enfin, on a ce qui pour moi est comme le passage le plus réussi de l'épisode, c'est le segment consacré à Beta qui s'infiltre dans Alexandria. Alors ce que je regrette quand même, c'est cette histoire de tunnel. Alors c'est ce que me faisait remarquer quelqu'un sur Facebook qui me disait que le tunnel avait pu être creusé dans les deux sens, à savoir Dante qui était dans Alexandria, qui a pu commencer à creuser éventuellement une galerie, mais bon, je vois pas trop parce que là on voit bien la main quand même de Beta sortir de la terre. Alors est-ce que Dante éventuellement avait commencé à creuser et ensuite à reboucher le trou? On sait pas. Ce que j'aurais aimé quand même dans cet épisode, c'est qu'on ait un tout petit flashback qui nous explique éventuellement comment s'était organisé cette espèce d'opération infiltration là, parce que là on voit Beta s'engouffrer dans ce tunnel sous la terre, mais les mecs ils ont quand même creusé comme des taupes pendant pas mal de temps. Je veux dire, creuser une galerie comme ça, ça prend des jours, voire même des semaines. Donc c'est pas quelque chose qui se fait comme ça, à l'improviste, clac. Donc je regrette un peu cette facilité scénaristique. Ce qui était quand même plutôt cool, c'était l'arrivée de Beta dans Alexandria. À savoir qu'on a quand même une scène, l'arrivée de Beta dans Alexandria se passe de nuit, donc voilà. On a la mort de... Alors je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'est Laura qui essaye de faire face à Beta, et puis bon, bah évidemment Beta la zigouille. On a Beta qui tue des membres de la communauté d'Alexandria et qui se transforme en rôdeur. On a Judith qui affronte, enfin affronte avec des guillemets, qui affronte Beta. C'était plutôt... j'ai trouvé ça plutôt sympa parce qu'on a... Bon, même si on sait on sait qui va mourir et on sait qui va vivre, on a quand même un peu de suspense durant ce passage. Voilà, donc ça, c'était plutôt sympa. Et on a... Enfin, on a Gamma qui est prête à se sacrifier pour aider la communauté d'Alexandria. C'était plutôt... J'ai trouvé vraiment le segment avec Beta dans Alexandria et tout ça, c'est vraiment pour moi, c'est le meilleur segment de l'épisode. Voilà, donc pas de Negan, toujours pas de Michonne, donc Michonne qu'on devrait retrouver prochainement. Voilà, c'était un épisode, j'ai envie de dire, un peu confiné. Voilà, il y a juste à la fin où Aaron arrive et puis dit qu'il y en a d'autres qui ne s'en sont pas sortis. Donc, sincèrement, c'était un épisode... Bon, bah, c'était un épisode, évidemment, qui était nettement supérieur en termes de réalisation et en termes de scénario
On est bien loin de l'épisode 9, voilà. C'était pas un épisode oufissime, c'est un épisode qui, encore une fois, fait dans la facilité scénaristique. On a de grosses ficelles scénaristiques. Ça aurait été intéressant qu'on ait des lignes de dialogue entre Daryl et Alpha qui étaient dans un seul et même lieu. Ça aurait été vachement intéressant parce qu'on aurait pu avoir des dialogues vraiment, vraiment percutants. Voilà, sur les choix d'Alpha, par rapport à Lydia, voilà, c'est ça le truc, c'est que là on a Lydia qui intervient, son intervention est complètement inutile. Alors je reviens, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça n'enlève rien à l'intrigue, mais le truc c'est que ça n'apporte rien à l'intrigue, mais on aurait pu, Lydia aurait pu être mentionnée dans les dialogues entre Daryl et Alpha. En attendant, bah, je vous dis à bientôt, et puis n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'épisode. Moi, je vous retrouve prochainement, et puis je vous dis à bientôt. Ciao.